Nous allons commencer par une présentation double de François Sermet et de moi-même. C'est un peu le mode que nous avons adopté déjà dans la rédaction d'un livre qui résume notre travail, mais aussi pour les présentations, l'idée étant que finalement on cherche des intersections entre nos pensées, nos repères, mais que finalement nous avons quelques connaissances chacun dans un des deux domaines, neurosciences et psychanalyse, et qu'il nous semble pour nous en tout cas difficile de faire une synthèse chez une personne unique, seule. C'est une méthodologie comme une autre, c'est en tout cas celle que nous suivons, mais certainement d'autres sont aussi tout à fait valables. Ce qui fait que je vais commencer, et en fait, nous allons maintenant brièvement présenter quelques points de repère à partir de notre travail commun. Et en fait, ce travail nous a permis d'identifier quelques points d'intersection, justement, ces points dont je parlais il y a un instant, entre neurosciences et psychanalyse. François Sermet est chef et psychanalyste et chef de service du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent aux hôpitaux universitaires de Genève. Alors, comme je l'ai mentionné il y a un instant, la question de la plasticité et de la trace est un de ces points d'intersection. Un autre est celui de l'homéostasie, d'où, en fait, le titre de notre présentation commune, « Plasticité et homéostasie à l'interface entre neurosciences et psychanalyse ». Alors, si je pouvais avoir les diapos maintenant, cela me permettrait d'aborder, peut-être pour les non-spécialistes, me permettrait d'aborder pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions de plasticité. Évidemment, on n'a pas le temps aujourd'hui dans les détails, ça pourrait faire l'objet de plusieurs cours. Simplement, la notion fondamentale peut-être à retenir dans le contexte de ce dialogue d'aujourd'hui, c'est que la plasticité cérébrale est en fait, et c'est une définition, il y en a d'autres, c'est la capacité qu'a le cerveau d'être modifié par l'expérience. Et en fait, au cours des 20-30 dernières années, toute une série de données de la neurobiologie ont permis de montrer et de démontrer les soubassements moléculaires et cellulaires qui sont à la base de ces mécanismes de plasticité. Il s'agit, par exemple, du nombre et de l'architecture des synapses, de la variation de l'efficacité synaptique, des réarrangements structurels. Et en fait, quand on dit que l'expérience laisse une trace, en quelque sorte, il ne s'agit pas d'un abus de langage, on peut vraiment mettre en évidence des modifications microstructurelles dans ces synapses. Donc l'idée, c'est que cette expérience qui laisse une trace dans le réseau neuronal aboutit à la construction du sujet, de ce que nous sommes, à l'émergence de la singularité, pour utiliser le terme qui est dans ce colloque aujourd'hui, qui définit ce colloque. Et en fait, ces mécanismes, comme je l'ai dit, ont été étudiés en détail, et pour simplifier un tout petit peu, on va dire que, en fait, des expériences peuvent être en quelque sorte mappées, enregistrées, si l'on veut, sous la forme d'ensembles de synapses facilitées qui correspondent donc à une représentation d'une expérience, d'un objet, de la réalité externe. Et que la réactivation de ces ensembles peut rendre compte, évidemment, là, il reste encore toute une question ouverte en neurobiologie, comment les images sont ensuite reproduites, mais enfin, on pense aujourd'hui qu'il y a une corrélation entre ces ensembles synaptiques, de synapses facilitées, et une expérience ou un objet de la réalité externe, et que, petit à petit, comme je l'ai dit, ces traces qui s'inscrivent vont constituer le sujet. Et dans notre modèle, dans notre spéculation, l'idée est que cette inscription, ces mécanismes de plasticité qui sont opérants pour les processus cognitifs, d'apprentissage, ça c'est évident, le sont aussi par, d'une certaine manière, pour la constitution d'une réalité interne qui, cette fois-ci, ne serait pas consciente ou rappelable à la conscience, mais de l'ordre du non-conscient. Alors, un petit schéma, comme les neurobiologistes aiment bien les faire, on pourrait s'imaginer que des expériences, des perceptions vont laisser des traces. Et là, j'ai représenté ici, de manière évidemment extrêmement schématique, cet ensemble
cette assemblée de neurones, ces ensembles de synapses facilités qui seraient en relation à l'expérience. Et on peut s'imaginer qu'il y en a toute une série qui sont codées, inscrites dans des réseaux différents. Un des points qui a émergé et qui sera abordé d'ailleurs par Christina Alberini plus tard, c'est ce qui est mis sous le terme de reconsolidation, c'est-à-dire qu'en fait ces traces, les nouvelles traces qui s'inscrivent peuvent s'intégrer d'une manière ou d'une autre avec les traces existantes, qu'il peut y avoir une réassociation de traces, en fait, dans le réseau neuronal. Et que ces mécanismes de reconsolidation, en fait, permettent, entre autres, de recréer des ensembles de synapses facilitées, des réseaux synaptiques qui sont, en fait, issus de ces traces primaires, mais sujets à des réarrangements, entre autres suite à l'intégration de nouvelles traces, mais également simplement des réassociations de traces. Et là, évidemment, il reste la question de qu'est-ce qui préside à ces réassociations, et c'est encore, comme d'ailleurs tout cela, un travail en cours, d'une part, et deuxièmement, disons, un canevas pour la réflexion. Mais un point important dans cette notion de réassociation, qui semble avoir un corrélat neurobiologique dans les processus de reconsolidation, et que, en quelque sorte, alors que les traces primaires vont être en relation directe avec l'expérience, en fait, il peut se créer une série de traces qui, bien qu'issues des traces initiales, en fait, ne sont plus en relation directe avec l'expérience. Et qu'en quelque sorte, se crée, enfin, un certain paradoxe que nous avons explicité de la manière suivante, que l'inscription des traces et de l'expérience, et surtout la réassociation des traces, sépare en quelque sorte de l'expérience, et qu'une discontinuité est inscrite, c'est s'y produit une discontinuité, et de laquelle, en fait, émerge un jeu, un degré de liberté qui n'est pas sans intérêt, je dirais, parce que si on admettait que toutes les traces s'inscrivent de manière absolument, finalement, on va dire définitive, même sans réaménagement, on pourrait voir la plasticité comme étant quelque chose d'extraordinairement déterministe, quelque chose qui s'inscrit sur une tabula rasa une fois pour toutes, quelque chose qui vraiment est de l'ordre du déterminisme. Or, cette idée de discontinuité qui peut se créer, évidemment, ouvre le champ. Pour utiliser, alors de temps en temps j'utiliserai des termes psychanalytiques, bien que je ne suis pas du tout un psychanalyste, mais à l'émergence du sujet, à l'émergence de cette singularité. Donc ça vraiment, ça ouvre un degré de liberté important. Donc dans ce raisonnement, dans ce modèle, l'idée c'est que les traces, et d'ailleurs ça peut être non seulement des perceptions externes, mais aussi des activations internes, vont par les mécanismes de réassociation contribuer à constituer une réalité interne non consciente parce que, justement, cette discontinuité les sépare, en quelque sorte, des expériences initiales qui ont constitué les traces primaires. Alors, viens ici. Donc, voilà, vraiment, en résumé, ces premières notions de comment la plasticité peut servir d'outil, si l'on veut, ou en tout cas de cadre de raisonnement pour un dialogue entre neurosciences et psychanalyse. Bien sûr qu'il serait approprié de le développer, mais on est un peu serré dans le temps aujourd'hui, donc je ne vais pas m'étendre plus loin. Le deuxième point que j'aimerais soulever est celui de l'homéostasie. Comme Antonio Damasio a beaucoup discuté dans ses livres, et aujourd'hui aussi l'aborder, je pense, c'est clair, il est évident qu'il ne s'agisse pas simplement de traces inscrites dans un cerveau, mais ce cerveau est dans un corps, et qu'il y a des états du corps, des états somatiques associés à l'inscription de ces traces, et ceci est bien clair pour la perception. On n'a qu'à penser à des émotions et des sensations fortes qui sont associées à des changements physiologiques, mais on peut se dire que finalement les traces qui sont issues de ces expériences vont aussi amener tout au long de l'inscription et des réassociations des traces de l'état somatique qui a présidé à cette première inscription. Et donc, si on reprend le schéma de tout à l'heure, on va dire que lors de la réassociation de traces, finalement, pour utiliser le terme d'Antonio Damasio, les marqueurs somatiques inscrits initialement vont se retrouver
tout au long de cette chaîne de réassociation et en fait marquer de manière importante disons cette trace par rapport à quelque chose qui a à voir avec le corps, donc l'homéostasie. Alors, on peut se dire que finalement, le sujet, justement, comme je le disais il y a un instant, émerge de ces ensembles de traces associées à des états somatiques qui proviennent justement par une convergence de perceptions médiées par les systèmes extéroceptifs, mais aussi ces systèmes interoceptifs tellement importants dans le monitorage de l'état du corps. Et que, expérience après expérience, réassociation, petit à petit, bon, sur cette image évidemment très schématique, émerge et est en travail permanent le sujet. Alors, prenons très brièvement une situation qui met en jeu finalement ces traces associées, ces traces qui sont en fait, qui constituent cette réalité interne inconsciente, on utilise ici un terme psychanalytique, ça peut être un scénario fantasmatique, mais disons tout simplement une réalité interne non consciente, une représentation associée à des états somatiques et évidemment il y a une tension et ces états somatiques peuvent aussi représenter une déviation de l'homéostasie. Donc, un stimulus externe ou interne d'ailleurs est capable de réactiver, d'activer ce scénario fantasmatique. On peut aussi penser que des états somatiques peuvent réassocier ce couple, si vous voulez, et de là émerge ce que j'appellerais moi, comme neurobiologiste et physiologiste, une poussée homéostatique pour rétablir justement l'homéostasie, disons, déplacée ou liée à l'état somatique de ce scénario, mais qu'on peut appeler, en termes psychanalytiques, la pulsion. Alors, quel est l'intérêt de ce raisonnement? C'est que si cette partie inférieure du tableau n'existait pas, on aurait finalement des comportements, des réponses comportementales extrêmement linéaires. Un stimulus suivrait une action qui est l'action attendue, logique. Mais, en fait, on peut se dire que cet ensemble vient parasiter, dans le bon sens et dans le mauvais sens, cette action, soit en la modifiant de manière qui peut surprendre le sujet lui-même, soit carrément en aboutissant à une action différente. Et là, je donne juste un exemple qui est bien sûr extrêmement, je dirais, réductionniste, on ne peut pas le ramener à une question de l'ordre de la construction fantasmatique, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ce sont des expériences en fait, chez des sujets qui étaient dépendants, toxicodépendants, et qui, en fait, sont sevrés. Et lorsque l'on présente à ces personnes des images, donc un stimulus évocateur capable de réactiver, justement, des représentations, et en particulier des vidéos qui sont représentent ce que ces sujets vivaient dans le cadre de leur dépendance à la drogue, des vidéos, par exemple, de l'endroit où ils recevaient la drogue, eh bien, c'est cette présentation de ce stimulus, qui est d'ailleurs neutre pour quelqu'un qui n'a pas été toxicomane, eh bien, ce stimulus va en fait déclencher un état somatique qui s'approche d'un syndrome de sevrage, enfin d'un besoin, d'un craving en fait. Et puis, les régions activées correspondent à des régions du système limbique qui sont évidemment fortement impliquées dans ce lien entre représentation et état somatique. Donc, on peut voir par là comment la réactivation de cette réalité, alors dans le cas psychanalytique, réalité interne inconsciente, peut déclencher, étroitement associée à un état somatique qui se manifeste clairement. Donc, en résumé, pour donner une perception de ce modèle tel que issu de notre travail, l'idée est que finalement le sujet est constitué d'une réalité interne consciente ou rappelable à la conscience, qui elle aussi est associée à des traces qui reflètent les états somatiques. Et Antonio Damasio a beaucoup travaillé sur cette relation dans la prise de décision, l'anticipation de l'état somatique dans lequel on sera suite à une décision, mais on peut en fait transposer cette unité, cet ensemble aussi à la réalité interne inconsciente, cette fois-ci
la poussée homéostatique ou pulsion va donner naissance à une action qui est perçue bien sûr par le sujet, qui peut le surprendre et qui peut donc le diviser. Et je passe là la parole à François pour la suite de la présentation. Voilà, donc je vais reprendre au point de ce schéma qui met en jeu l'association d'une trace avec un état somatique et qui est au centre, au fond, de la préoccupation que nous avons introduite avec Pierre Magistretti autour de ces deux points d'intersection entre des champs sans commune mesure que sont neurosciences et psychanalyse, ces deux points étant la plasticité, c'est-à-dire la question de la trace, et l'homéostasie, et tout le débat autour de l'homéostasie et de ses déviations allostasiques, dont parlera Michel de Moal, c'est-à-dire la question de l'état somatique. Donc on a chaque fois une tension entre une dimension qui est celle de la trace et de la fonction de la trace dans le système de représentation, qui est une problématique complexe. Est-ce qu'il faut penser que c'est en termes de signifiant? Est-ce qu'il faut penser que c'est en termes d'indice? Est-ce qu'il faut penser que c'est en termes de signe? Freud parlait, lui, de signe de la perception. Il disait que la première trace de la perception dans l'inscription, dans son fameux schéma de la lettre du 6 décembre 1896, il donnait une valeur de signe de la perception. Signe de la perception, c'était un mixte de langage et de vivant. Et ça, c'est une question très énigmatique pour le psychanalyste qu'il pose aussi aux neurosciences. Qu'est-ce que ça veut dire, cette combinaison de quelque chose qui est de l'ordre déjà du sujet, qui est pris dans le monde de l'autre, et puis en même temps qui a le statut d'une trace biologique concrète. Et d'ailleurs, Lacan faisait du signe de la perception, il l'a dit plusieurs fois, après il a aussi mis ça en question, il disait « je lui donne son vrai nom de signifiant ». Donc quel est le rapport entre la trace et l'état somatique en termes langagiers? En tout cas, ce qui est important dans ce schéma, c'est d'indiquer que tout acte du sujet, toute décision qui résulte en une action est perçue à la fois sur le plan interoceptif et extéroceptif, que finalement, comme l'a montré Pierre dans le schéma précédent, le sujet est divisé entre quelque chose qui vient de la lecture de ses états somatiques et de la lecture des perceptions, et que le sujet lui-même, par son acte, vient créer une inscription. Et ça, je crois que c'est important, ça touchera aussi la question de la reconsolidation. Si on se dit que le rappel d'un item mnésique rend la trace, dont va parler Christina Alberini, le rappel d'un item mnésique rend la trace momentanément labile et susceptible d'autres associations, ça veut dire que le sujet non seulement résulte des traces, mais participe lui-même à inscrire les traces. Il n'est pas seulement produit par les traces, il produit les traces. Alors à partir de là, ça nous pose la question de quel est le rapport entre trace et état somatique. Moi, je reviendrai sur cette question au fameux schéma de l'expérience de satisfaction de Freud, que je vous ai résumé ici. Ce qui a frappé Freud dès le début de son œuvre, de sa réflexion, c'est l'inachèvement du petit homme. L'humain, c'est le plus néothénique des vivants. Il est marqué par l'inachèvement. On est incapable de subvenir par soi-même à ses besoins. Donc il y a un rapport difficile au vivant, un état de détresse. Freud parlait de Hilflosigkeit, un état de détresse. Au commencement et l'inachèvement, au commencement et la détresse. Et il faut l'acte de l'autre, l'action spécifique de l'autre, du Nebenmensch, de l'autre humain, pour que l'organisme puisse décharger l'excitation qui l'habite. C'est une hypothèse qu'a immédiatement Freud. L'organisme seul ne possède pas les mécanismes en lui-même au début de la vie pour décharger l'excitation qui l'habite. Donc il est envahi par des états somatiques qui font effraction. Et que c'est l'action de l'autre qui est nécessaire à la décharge de l'excitation, c'est-à-dire pour Freud du passage du déplaisir au plaisir qui aboutit par cette décharge à l'inscription d'une trace liée à un état somatique d'où procède le sujet. Ce qui est important de réaliser dans la lecture qu'on peut faire de ce schéma, c'est qu'on donne du même coup une fonction homéostatique à la trace. La trace est là pour traiter le vivant,
pour traiter le réel pulsionnel, pour traiter quelque chose qui est en excès. Et que du même coup, pourrait-on dire, le sujet entre dans le monde de l'autre, entre dans le monde, n'est-ce pas, on peut faire une petite fiction, au commencement, comme le fait Freud, au commencement, comme le reprend d'ailleurs Lacan, au commencement est le cri du vivant, un cri hors sens. Et ce cri est transformé en appel, en demande, par la réponse de l'autre. Ça veut dire que la réponse est première. Il y a l'inachèvement et la détresse, et une réponse qui est première, réponse qui fait entrer le sujet dans le monde du langage qui lui préexiste. D'où ensuite un rapport complexe à penser, et ça je crois que c'est tout un projet à mettre en avant, de quel est le rapport du vivant au langage. Si on se dit que toute trace est associée à un état somatique, et au plaisir ou au déplaisir, c'est-à-dire à quelque chose d'extrêmement complexe à définir, dont certainement on aura l'occasion d'en discuter avec Antonio Damasio, mais on a un rapport entre le vivant et le langage, où on a un parasitage du langage par le vivant et un parasitage du vivant par le langage, aussi réciproquement. C'est-à-dire que le langage est un parasite qui est nécessaire. On a utilisé le terme paradoxal de parasite salvateur. C'est un parasite nécessaire qui n'est pas seulement nécessaire dans les fonctions d'expression et de représentation, mais dans une fonction de traitement du vivant par rapport au lien plaisir-déplaisir. Parasite salvateur qui lui-même introduit à tout ce que introduit le langage, c'est-à-dire à l'équivoque signifiante, à l'erreur, au malentendu, au glissement de sens, à partir de l'intersection de la langue dans le vivant. Je vous rappellerai cet extraordinaire texte, puisqu'on est au Collège de France, d'un des professeurs ici, Michel Foucault, en 85, qui parlait de Canguilhem. Et Canguilhem, et en discutant Canguilhem, il définit la vie comme ce qui est capable d'erreur. Et je crois que là, cette question est assez paradoxale. On pourrait imaginer, par exemple, une représentation associée à un état somatique de plaisir, une représentation de conflit associée à un déplaisir, et que dans les glissements d'associations de traces les unes avec les autres, on finisse par avoir la constitution d'une représentation de déplaisir associé à un plaisir, qui est effectivement le grand problème du symptôme et de la clinique. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir dans le déplaisir et qui est justement l'impasse de beaucoup de sujets qu'on rencontre à travers leur souffrance dans la clinique. Alors, on voit que la plasticité introduit une série de paradoxes. Pierre Magistretti a déjà parlé du paradoxe qui nous a beaucoup occupés, qui est le paradoxe qui fait que l'inscription de l'expérience, paradoxalement, par la réassociation des traces, sépare de l'expérience. Il y a aussi un autre paradoxe qui est celui du changement permanent. C'est la plasticité, si on imagine un cerveau dans un état E qui fait une action 1, l'action 1 s'inscrit, mais le cerveau dans un état E', etc., de nouveau une nouvelle action, même si le stimulus S1 était égal au stimulus S2, pour autant qu'il soit possible d'avoir deux stimuli semblables dans la vie, le cerveau est déjà dans un état différent, et donc on est dans un changement permanent qui fait que la prédiction dans un système hautement déterminé est extrêmement difficile et que ce problème peut se répéter à l'infini. Si vous voulez, c'est Héraclite appliqué à la plasticité. Donc la plasticité oblige de penser une contradiction, enfin une dimension complexe, hein. C'est-à-dire que si on reprend ce schéma, on voit qu'on est dans un changement permanent, donc on pourrait dire qu'on est biologiquement déterminé pour ne pas être totalement biologiquement déterminé, pour recevoir l'incidence de l'autre. On est biologiquement déterminé pour être dans une certaine mesure libre, ou en tout cas pour être en relation avec l'autre. Et que là, on a vraiment à la difficulté de savoir comment on peut penser le fait que la plasticité, il n'y a rien de plus déterministe de la plasticité, l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Ça veut dire que tout s'inscrit, tout se conserve, que ça implique une idée de continuité, et qu'en même temps, la plasticité, ça veut dire tout peut toujours se transformer, donc une idée de discontinuité. Alors, comment penser
ce phénomène où à la fois tout se conserve et tout se modifie. Et c'est là que je pense que la question de du déterminisme et de l'imprédictibilité doit être revisitée à la lumière du phénomène de la plasticité. Je crois que tout ça, comme l'a dit Pierre, c'est des travaux en projet, c'est des questions ouvertes. On pose ici au départ une série de questions et qu'on pourrait se dire que l'inscription diachronique des traces, c'est-à-dire la conception de la trace comme inscription diachronique dans le temps, coexiste avec l'association ou la réassociation synchronique des traces, et que vraiment l'idée de plasticité oblige à repenser le rapport diachronie-synchronie. La plasticité, c'est l'idée de la forme. La plasticité prend la forme, donne la forme, c'est-à-dire quelque chose qui ajoute à la métaphore graphique de l'inscription une métaphore plastique de la réassociation synchronique des traces. Et que pour penser continuité et discontinuité par rapport à la plasticité, il faut penser la question du temps et de la synchronie et de la diachronie. Alors on peut se dire effectivement qu'il y a quelque chose de l'objet synchronique qu'est la trace dans son inscription. L'objet synchronique qu'est la trace, on pourrait dire aussi l'objet synchronique qu'est le signifiant, le phénomène langagier, l'objet synchronique qu'est l'instant. L'instant lui-même, l'instant est discontinuité entre le temps qui précède, l'instant n'est plus du passé, n'est pas encore du présent, que les caractéristiques de l'objet synchronique impliquent un non-déterminisme diachronique. Et je crois que c'est une question très importante que pose la question de la plasticité. Ici, c'est représenté de manière linéaire. Certainement que les choses sont beaucoup plus complexes et que c'est un lien où on ne peut pas dire qu'un événement est purement synchronique ou purement diachronique et qu'il faut penser certainement quelque chose qui aurait plus un rapport où les choses se mettraient en jeu de façon complexe, synchronie et diachronie. Donc, on pourrait se dire que la plasticité pourrait être vu comme un paradigme déterministe, l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal, il y a une continuité entre l'expérience et les faits, le déterminisme propre à la causalité naturelle du XIXe siècle, mais en même temps tous ces paradoxes, la discontinuité, le changement permanent, le parasitage langagier, le rapport synchronie-diachronie, le rapport forme-plasticité et inscription de la trace, introduit à une discontinuité et qu'entre l'événement X et son effet, il y a la place pour un sujet, c'est-à-dire pour le choix du sujet, pour la réponse du sujet, finalement toujours imprédictible dans cet espace qui lui est offert par sa biologie même, et je pense que c'est une des leçons de la plasticité. En tout cas, c'est une question à laquelle introduit la problématique de la plasticité et qui fait que neurosciences et psychanalyse, deux domaines sans commune mesure, convergent, se rencontrent, ont une question commune qui est l'incontournable de la singularité. Neurosciences et psychanalyse ont un point de rencontre inédit sur l'émergence de l'unique, l'émergence de la singularité. C'est une question commune aux deux champs, l'émergence de la singularité qui est le champ par excellence de la clinique et donc de la psychanalyse. Voilà, je vous remercie. Très bien, nous avons le temps pour quelques questions. L'idée est en fait d'avoir des présentations d'une trentaine de minutes et puis le temps pour quelques questions. On aura aussi en fin de journée le temps pour des questions. Je dois, par rapport au programme, il y a un léger changement. Malheureusement, Jacques-Alain Miller m'a informé qu'il ne serait pas là aujourd'hui, ce qui fait que nous avons un peu plus de temps ce matin, c'est dommage, mais d'un côté, mais de l'autre, il y aura peut-être plus de temps pour la discussion et on est un petit peu moins serré pour le temps. Donc voilà ces premières notes, ces premières idées sont ouvertes à la discussion. Oui, monsieur là-bas. Oui. Merci de l'exposé. Je voulais. C'était Marc.
Non, c'est bon. Non, mais on est d'accord entre nous. Oui. D'accord. Je voulais revenir sur la question de la trace. Bon, en neurosciences, effectivement, on a tout à fait bien cette notion d'une trace visible, comme tu l'as dit. La question que je pose, c'est sur le contenu de la trace. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, finalement, survit lorsqu'il y a remémoration? Et si je me réfère aux travaux classiques sur la mémoire, je pense en particulier à Bartlett, il insistait beaucoup sur le fait que la remémoration, elle est reconstituée. C'est jamais un souvenir entier qui ressort, c'est une reconstruction à partir de bribes qui, peut-être de manière isolément, n'aurait pas une signification importante, mais qui prennent une signification du fait de la reconstruction. Alors, comment ça, c'est compatible avec la notion qui semble ressortir de l'exposé, que les traces sont relativement organisées, qu'elles sont associées à des marquages somatiques, et ainsi de suite. Donc, je voulais soulever le problème de cette incompatibilité. Oui. Donc, je crois que le premier point, c'est quand on parle de traces, je crois qu'on est d'accord. En fait, c'est des multiplicités, des multiples traces, c'est-à-dire ces ensembles de synapses facilités, une sorte de pattern particulier qui code pour une expérience. Alors, c'est clair que la question fondamentale de savoir comment se fait le passage de la réactivation de ces traces à la représentation de l'expérience initiale, je crois que c'est vraiment, s'il y a une question fondamentale encore inconnue et ouverte dans les neurosciences, c'est bien celle-là. Donc on peut parler de corrélation entre un certain pattern de synapses facilitées et une expérience, mais comment on passe de là à l'image, tout simplement, de cette expérience, je crois que personne n'a de réponse. Alors maintenant, la question de savoir comment ceci est associé à un état somatique, je pense que dans l'inscription même de l'expérience, il y a probablement un ensemble de synapses facilitées qui codent pour cette expérience issue notamment des systèmes interoceptifs qui sont simultanément activés par le biais notamment de l'activation de l'amygdale qui fait le lien entre la perception externe et si tu veux, les réponses physiologiques associées à cette perception externe. Donc, c'est dans la synchronie, pour reprendre le terme qu'on a mentionné, des deux expériences extéroceptives et interoceptives qu'on peut retrouver ce lien. Ensuite, comment on passe de cette inscription à la reproduction de l'image, je pense que là, c'est une question, c'est la question des neurosciences, je crois. Juste là derrière, ensuite madame, et ensuite là-bas. Oui, bonjour, je voudrais revenir sur la notion d'inconscient dont vous avez parlé comme un concept qui est à la croisée entre les neurosciences et la psychanalyse. Vous avez aussi, chacun d'entre vous, donc mentionné à plusieurs reprises le terme de pulsion. Et je voudrais revenir sur le fait que la psychanalyse s'est construite sur la base de la découverte de l'importance de la sexualité infantile et de manière plus générale sur la base de l'importance de la sexualité dans l'inconscient. Et personnellement, quand je réfléchis depuis plusieurs années aux relations entre neurosciences et psychanalyse, ce qui m'apparaît potentiellement fécond, c'est d'interroger à l'aide des outils modernes de la science dont Freud ne disposait évidemment pas, tels que la neuroimagerie fonctionnelle ou l'hormonologie, des concepts cruciaux de la psychanalyse, comme celui de pulsion sexuelle. C'est ce que nous tentons de faire donc dans notre groupe, et en particulier d'interroger ce que Freud appelait la source somatique de la pulsion, qui est un concept qui est resté très obscur, mais qui me semble pourrait s'éclairer avec les outils d'investigation disponibles un siècle après les premiers développements freudiens. Ce que je veux dire en résumé, c'est qu'il me semble que dans ce travail d'interrogation des liens entre ces deux disciplines, il me semble qu'on ne pourra pas faire longtemps l'économie, si vous voulez, d'une interrogation sur la sexualité dans l'inconscient. Merci pour cette question. Je pense que, d'abord, c'est l'occasion de dire que, comme psychanalyste, je pense que le rapport neuroscience-psychanalyse
est heuristique pour poser une série de questions et revisiter comme un œuf certains concepts. C'est comme un pas de côté qui fait qu'on doit retrouver la nécessité du concept, par exemple celui de pulsion, celui de sexualité infantile, à partir de cette confrontation. Pour moi, je le vis comme ça. C'est-à-dire que dans le champ psychanalytique, qui est quand même celui de la clinique et de l'expérience psychanalytique, on n'a pas forcément besoin de se préoccuper de neurosciences et psychanalyse. D'un autre côté, par le fait de se confronter à ces questions, on retrouve le tranchant de certaines interrogations freudiennes et de l'émergence de la psychanalyse. Donc peut-être ce serait important de pouvoir repérer une série de points nodaux, de points fondamentaux à l'intersection de ces deux champs très différents que sont neurosciences et psychanalyse. Et que dans ce cadre-là, certainement, la question de la pulsion et la question de la sexualité, c'est fondamental. Vous avez tout à fait raison que ce travail est à faire. Il est à faire, selon nous, plus dans une logique de l'interrogation qu'une logique de la preuve. Bon, je crois que ce n'est pas du tout dans ce sens-là que vous posiez la question, mais il y a un certain risque d'utiliser les neurosciences par rapport à la psychanalyse, par rapport à la psychopathologie, dans l'idée d'une preuve. On viendrait même prouver l'efficacité de la psychanalyse par les neurosciences, etc. Ou une logique analogique, c'est-à-dire qu'on dirait, oui, tel circuit, c'est comme tel phénomène clinique. Notre point de vue, c'est plutôt de chercher des points nodaux, des points d'intersection. Et que certainement, la pulsion, qui est un concept limite entre le somatique et le psychique, le rapport de la pulsion à l'inscription du trajet de la pulsion depuis l'autre, le rapport, la question pulsion et sexualité, c'est un programme à réaliser. Une, et puis ensuite, une deuxième question là. Bonjour et merci pour ce colloque historique. Je ne suis ni neurobiologiste ni psychanalyste, je suis philosophe et je me suis beaucoup intéressée à ce type de questions chez Freud lui-même. Et je voudrais rappeler qu'il a commencé comme, on dirait aujourd'hui, neurobiologiste, il a fait un certain nombre de découvertes et le symbole du colloque entre les photos de Freud et de... sont très signifiantes, mais je veux dire que Freud n'a jamais, bien qu'il ait renoncé à la neurobiologie pour ce qui concerne la clinique, lorsqu'il est devenu médecin, il n'a jamais renoncé à l'idée qu'il a exprimée de la plus façon la plus explicite à la fin de sa vie, assez solitaire et assez tragique, mais enfin bon, assez solitaire au moins, etc., un jour les biologistes me donneront raison. Alors, la question, c'est de savoir sur quoi, dans son esprit, il pouvait imaginer qu'un jour les biologistes lui donneraient raison. Premièrement, il n'envisageait jamais qu'il lui donnerait raison en disant, ah ben oui, il faut qu'on tous, on se transforme en psychanalyste. Il a toujours dit qu'il y avait deux... description, comme lui-même employait ce terme très moderne. Mais personnellement, connaissant un peu Freud, je ne pense pas que c'était sur la question qui est celle de votre de la singularité du sujet. Parce que Freud était un positiviste du 19e siècle. Lui croyait au déterminisme. Et il disait même, si dans la... le monde physique, dans les sciences de la nature, il peut exister du hasard et de l'indétermination, il faisait sûrement allusion à la mécanique quantique, bon, je ne sais pas quoi, dans la vie psychique, tout est déterminé. Donc ce n'était sûrement pas sur le point que vous... Mais sur la néothénie que vous avez rappelée, de l'animal humain, la longueur de l'enfance, en fait, toutes les particularité biologique du développement de l'humain, là, vraiment. Et puis, peut-être sur l'homéostasie, parce qu'il était un grand défenseur du second principe de la thermodynamique. Et puis, sur, la division de l'esprit en deux, oui, ça sûrement. Ce qu'il appelait un double fonctionnement. Enfin, bon, c'est pas vraiment une question, c'était une... Oui, je peux dire juste un mot. Bien sûr, c'est une discussion
que vous pouvez reprendre du contexte de Freud par rapport à Naturwissenschaft, qu'il a fait comme choix dans la fin du 19e, début du 20e. Je pense que ce que nous, on essaie de repérer, c'est des points de butée plutôt que des points qui donnent raison. Hein. Et que Freud le dit, donc, effectivement, dans, au-delà du principe de plaisir, je crois que c'est là qu'il dit, dans quelques décennies, les biologies dont les capacités sont formidables nous donneront la preuve de ce qu'on établit. Mais c'est juste une phrase, et je pense que pour nous, c'est plus heuristique de trouver des points de butée que des points qui donnent raison. Une dernière question. Oui, merci pour ces conférences stimulantes. Je voudrais poser deux questions. La première, c'est toutes les traces ne subsistent pas. Quels sont les mécanismes biologiques connus à ce jour de l'oubli, si vous pouviez en dire un petit mot? Et deuxièmement, tout ce que vous avez dit sur la trace me semble, mais je ne suis pas une neuroscientifique, relever des travaux cellulaires et de biologie moléculaire sur la mémoire implicite, c'est-à-dire sur tout ce qui fait que les traces nous permettent d'installer un certain nombre de routines et de procédures. Et il me semble que dans votre présentation beaucoup plus large, on passe à une autre échelle et dans un autre type de mémoire qui est la mémoire explicite. Donc voilà, je voulais savoir si tout ce qu'on a pu découvrir à propos des traces dans la mémoire implicite est à ce jour applicable à d'autres types de mémoire, notamment celles qui impliquent le langage. Bon, en tout cas, je peux dire immédiatement que, disons, en réponse directe à votre question, c'est que cette inscription des traces et ces réassociations de traces ne correspondent pas, dans notre point de vue, ces traces et ces réassociations qui constitueraient une réalité interne inconsciente, c'est tout à fait différent d'une mémoire implicite. Donc, je sais que, de nouveau, je faisais référence à ces malentendus ces malentendus qui peuvent émerger de l'utilisation du terme inconscient. Et il y a, c'est vrai, certains points de vue qui associent l'inconscient ou une forme d'inconscient à la mémoire implicite. Alors, disons, c'est pas en tout cas dans cette ligne que nous positionnons. C'est quelque chose justement qui est issu de cette discontinuité et de quelque chose qui est nouveau en quelque sorte, qui n'est pas simplement l'inscription consciente ou rappelable à la conscience. La mémoire implicite, en fait, on peut la rappeler à la conscience. Je veux dire, un mouvement que vous avez appris, vous pouvez aussi ensuite vous l'expliquer comment vous le faites, par exemple. Donc, ce n'est certainement pas du même ordre. Maintenant, votre première question, j'ai... Ah, le mécanisme d'oubli, c'est intéressant, vous voyez. C'est très intéressant. On en parlait avec Marc Raichel. The question is about forgetting, Mark. And this is the main question, c'est la question principale que Marc Raichel se pose. Et c'est vrai que, il y a des mécanismes cellulaires qui pourraient, avec beaucoup de précautions, être mis en relation avec quelque chose qui est l'oubli, qui est la dépression à long terme, ce sont qui est donc une façon de rendre les synapses, enfin des mécanismes qui rendent les synapses moins efficaces. Donc, mais là, je pense que c'est encore un champ assez ouvert. Bien, merci pour ces questions. Nous allons...